Wouah, t'as une nouvelle télé, mec. Et ouais. Et t'as pas vu le must, hein. Regarde, le film est sur le téléphone, hop, il est sur l'écran. Wouah, wow. Truc d'ouf. Mais comment t'as fait ça? C'est très simple, faut juste te connecter à la box et après... Ah ouais, donc moi aussi je peux faire ça. Ouais, mais après... Attends, ouais. Je vais te montrer le clip, t'es marre. Mais après, on est venu pour voir le film. Mais regardez les vidéos de mon mariage, hop là. Mais non, laisse le clip, frère. Non, avec le nez. Regarde. Arrête, c'est mon film, c'est mon... Si tu veux, on peut regarder le film sur mon téléphone. Ah, il est pas mal, Action, là. 10,5 types de potes avec lesquels il ne faut jamais mater un film. C'est parti. Celui qui assume pas. Bon, on se bat de quoi? Toi, t'aimes quel genre de film? Bah, je sais pas, on... Est-ce que je lui avoue que j'ai envie de mater le dernier épisode des Gossip Girls? Non, il va se manquer de moi. Comme tous les gens qui comprennent pas mon amour envers les Gossip Girls. Bah, on mate Expandable. Oh ouais, grave. Ouais, t'as vu le truc avec les armes qu'on tire et tout? Ça canard, mon frère. C'est un truc de bonhomme, ça. Encore un qui se prend pour un bonhomme. Je ne trouverai donc jamais d'amis qui partagent ma passion pour les Gossip Girls. Ouais. T'as vu, Stallone, il a pris un peu au niveau des pecs. Celui qui m'attend, voix originale sous-titrée. I'm not part of the press conference, but it's about to begin right now. I'm not a reporter. Attends, top. Bon, il s'est passé quoi alors? Bah, en fait, c'est un gars qui marchait avec une meuf, et je sais pas ce qu'il lui disait. Ah oui, mais ouais, il y avait une meuf au début, en fait, il lui a acheté une mallette nucléaire. Ah, mais c'est pour ça, ça a explosé de partout. Ah, c'est ça. Moi, je me disais, y a pas de dialogue pendant au moins 20 minutes, il se passe quoi dans le film? Pareil, je me disais, comment ça fait pour qu'il s'explose? Trop bien. Ouais. Par contre, tu veux pas qu'on échange? C'est toi qui lis les sous-titres et c'est moi qui regarde les images. Ok, d'accord. Attends, stop. Alors, il s'est passé quoi? Bah, en fait, moi, je sais pas lire, hein. Celui qui préfère le livre. Attends, regarde là. Ah, t'as vu? Ça, y'est pas dans le film, hein. Et encore, là, c'est en mauvaise qualité, hein, parce que moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais dans un cinéma 3D. Ah, je te jure, avec les points d'exclamation qui volent comme ça, c'est un truc de ouf. Combien de fois que je t'ai dit, le livre, c'est mieux que les films? Oui, mais moi, je sais toujours pas lire, hein. Celui qui kiffe les westerns. Eh, comment je kiffe les westerns? En plus, celui-là, on s'identifie grave au personnage. Non, mais j'avoue que le cowboy, il te ressemble, hein. Et l'autre à toi, tu vois. Moi, je trouve que c'est un peu comme nous, tu vois. Deux potes dans le désert, soudés, tu vois. Et en plus, dès qu'il y a embrouille, bim, ils sortent les pistolets. Par contre, c'est pas le bon pistolet qui sort, là. Ah oui, tiens. C'est... Non, mais c'est pour faire pipi, je pense. Ah non. Moi, je préfère les films policiers, de toute façon, avec les matraques. C'est lui qui critique. Comment c'est pourri la télé-réalité. Ah, le voyeurisme, les gens, ils sont là, ils veulent voir la vie privée des gens. Hein, qu'est-ce que les gens, c'est des curieux, ils se mettent debout, ils veulent tout savoir, ils ont pas de vie. Dans les toilettes, ils vont te filmer un jour, je te jure. Non. T'es moi la story de Marion, hein? Mais elle est avec qui là? Ouais, je suis avec Mathieu. Non, oh, le maillot. Les gens, je me calme. Un petit film, on est là avec la famille. Aïe, on a rien à faire. Un petit film. Parce que vous faites quelque chose, nous on fait rien du tout. Bang bang. Aïe. On est là. Ajoutez-moi sur Snap. Ah, ça a coupé. Celui qui se fait cramer. Tu es hétéro-curieux et tu veux rencontrer les mecs les plus chauds de ta région. Attends, deux secondes aussi, parce que regarde là, le gars là. Mais c'est toi là. Non. Ouais, si c'est ton numéro, petit curieux. C'est toi ça, le petit curieux. Mais non, arrête, t'as pas trop d'intérêt de moi, t'es sûr. C'est un appel important pour le boulot. Allô? Oui, je suis ton cheval fougueux. Oui, on ira galoper tout nu dans la forêt. Il travaille dans un écurie ou quoi? Celui qui donne des conseils aux acteurs. On veut pas par là. Mais non, elle est derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes un film d'horreur? Non, oh, c'est mon film de mariage. Mais non, dis non. Non. Tu vas mourir. L'incrédule. Et on va appeler tout de suite une personne au hasard. On lui offre 1 500 € si elle répond que son émission préférée, c'est Cash Money Quiz. C'est parti. Faut quand même dégoûte cette émission. Font croire aux gens qui vont gagner de l'argent, c'est de l'arnaque. Le pire, c'est les pauvres gens qui se font avoir. Là. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui regardent cette émission. Et tu vas jamais gagner. Ah non. Attention, ça sonne. Allô? Mon émission préférée, c'est Cash Money Quiz. Je vous regarde tout le temps, même les rediffusions, même sur Internet. Je tweet tout le temps avec le hashtag Cash Money Quiz cadeau. J'ai même un slip avec votre photo. Ah, salut maman. Je te rappelle? Non, mais je m'en fous de cette émission. On retweetait ou pas? Nos parents à notre âge. En ce mois de mai 68, les révoltes battent leur plein dans les rues de la capitale. Le secrétaire général du parti a appelé les jeunes à se révolter. Mais oui, il faut se révolter, Armand. La télévision est un instrument de combat pour la lutte prolétaire. Oui, exactement. T'as un petit accent, Armand. Oui, mais arrière-grand-père, c'est des Arabes. Et nous? Prêts, les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Oh, il est dans un...
celui qui préfère un autre film. Hey, j'arrive les gars, je vais aux toilettes. Qui est fou, ça fait une demi-heure. Ils sont sérieux là. Vous faites quoi là? Ça fait tellement du bien de voir cette mixité de couleurs par les temps qui courent. Ça fait du bien. Ah, ça nous apprend tellement de choses sur les humains. Celui qui a des astuces. Tu peux augmenter un peu le volume là? Ah putain. Mais plus fort. Il appuie les piles, ça va pas marcher. Bah oui, j'appuie. Vas-y, putain. Ça marche pas, arrête, arrête, arrête. C'est quoi, j'ai une idée. On prend la pile. Et là, tu vas mâcher. T'as tellement la pile. Ça, c'est bien ça. T'es un bon chien, t'es un bon garçon ça. Allez, un peu de salive dedans. C'est bon. Ça veut pas m'acheter. Ça sent mon ordinateur. Et c'est bon. Eh, les gars, si vous fermez juste votre gueule, on va tout entendre. Celui qui mate Arte. Je sais pas. Arte, c'est la pub. Et serpent, serpent. Lourd. Essayez le gel à raser apaisant, gilette irritation défense et le rasoir ProGlide. Ah non. Putain, ils font chier à mettre des programmes entre leurs pubs là. Celui qui cherche l'acteur. Oh yeah, right, God. Attends. C'est pas le mec qui a joué dans la série là. Ah, comment il s'appelle? Je connais pas son nom, mais il a pas joué sur M6 plutôt? Non, non, c'est un carré. Il a joué avec la femme de DiCaprio. Non, tu comprends avec Meryl Streep toi. Non, attends, je vais regarder la filmographie de DiCaprio. Ah, moi je regarde sur Akinator. Alors, qu'est-ce que nous avons sur lui? La dernière fois qu'il a utilisé sa carte bleue, c'était dans l'état de l'Ohio. Pour rester un G-Slim à 19,90. Je viens de recevoir son casier judiciaire. Il est vierge. En plus, son chien a été vacciné la semaine dernière. Ça ne nous sert à rien. Parce qu'on sait toujours pas qui c'est. L'évolution des télés. Hold on. Oh là, ton fait. Oh, ton... Aïe. Oh. Oh. Ah, il est bien ce film! Celui qui est nostalgique. Et tu te rappelles de l'époque où les télés c'était des trucs cubiques comme ça? Ah ouais, ça date! Et tu te rappelles quand il n'y avait pas encore de télécommande, t'étais obligé d'aller changer sur la télé? Ah ouais, ça date! Ah les gars, vous vous rappelez à l'époque quand la télé c'était intéressant? Ah ouais, ça date! Mets un like avant la prochaine fournée. Si t'as kiffé la vidéo, alors fais la tournée. Mets un like et abonnez-vous aussi hein. En commentaire, dis-moi quels sont tes films préférés. Et bien sûr, les commentaires les plus originaux se retrouveront dans le top commentaire. Je vous ai demandé d'imaginer des noms de super-héros. Le super poulet, Deadpool. Ouais, t'as raison, ouais. Vivre sans sourcils est plus difficile que de vivre avec un seul gros. Pas sûr du tout là. Le débat est ouvert dans les commentaires. Le super-héros Ralman en France. Oh, des réflexions comme ça, bravo hein. Un autre nom de super-héros est encore une fois antillais, le One Tiponchman. Moi je kiffe perso. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve à la prochaine qui arrive très 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 très